Breaking news, le Bitcoin vient de dépasser comme ça la barre de 44 000 dollars il y a de cela quelques secondes avant de rechuter encore à 43 984,1 centimes de dollars. Donc les gars, le marché est ouvert, le marché est ouvert. Donc dans cette vidéo, je suis comme ça sur la plateforme Bybit. Je vais te montrer comment tu peux investir en DCA. Voilà, en DCA. Donc, je t'ai dit que l'investissement en DCA est l'investissement le plus propice. Pourquoi? Parce que tu achètes quand il est bas, quand il est haut, à la même heure, le même jour. Donc, c'est un investissement périodique spécifique, voilà, à une période donnée. Donc, je prends un exemple. Si tu décides d'investir tous les heures, tu pourras payer comme ça un actif tous les jours à la même heure ou tous les heures à la même heure pendant X temps. Voilà, donc ce qui te permettra comme ça de lisser ton investissement. Voilà, il y a une très grande différence entre celui qui achète une seule fois et celui qui achète en plusieurs fois. La différence est énorme. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore essayé le DCA, voilà, donc voici la plateforme. Voici la plateforme. Bybit, je vais te montrer comment tu peux investir en DCA tranquillement sans toutefois réfléchir, c'est pas du tout compliqué. Il suffit juste de venir ici sur Auto Invest, tu viens ici sur Trade, sur H, tu viens sur Trade, voilà. Tu viens sur Trade, tu cliques ici sur Auto Invest, tu vas voir ici les crypto-monnaies, les différents actifs sur lesquels tu peux créer. Voilà, tout ce que tu peux créer. Donc, et voilà, il y a les différents rois, l'historique des différents rois, donc c'est-à-dire les retours sur investissement. Donc, je vais créer un DCA avec toutes ces crypto-monnaies qui sont ici à l'écran. Je vais cliquer la créer. Je crée avec le ADA ou à défaut. Donc, ce que je peux faire, tu peux créer un plan pour tous ces. Tu as la possibilité de créer soit un plan tous les jours de la semaine, voilà, tous les bi semaines, tous les 2 semaines, tous les mois, voilà, ou tous les jours d'année. Et tu mets le montant. Voilà, ce que je veux faire, je veux créer un DCA tous les jours et je vais investir 1 dollar. Voilà, je vais investir 1 dollar. Donc je pars du principe que je veux prendre les fonds. Le fonds ici en USDT. USDT. Est-ce qu'il y a le Luna ici? J'ai vu comme si j'ai vu le Luna. Ouais, il y a le Luna classique. Ok, ça va. Donc, je vais prendre le fonds en USDT. USDT. Voilà, je prends le fonds que j'ai en USDT. Je mets le montant ici. 1 dollar. Voilà. Non, le minimum d'investissement, c'est 1 dollar. Si c'est 1 dollar, ce que je veux faire, je vais plutôt prendre par semaine. Prendre par semaine, voilà, par semaine, parce que je n'ai pas, j'ai fait un transfert tout à l'heure. Je vais prendre plutôt par semaine. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Je prends par semaine. Je vais prendre à partir de demain. Voilà, à partir de demain, je confirme. Voilà, donc c'est à dire tous les semaines, le jeudi, Thursday, voilà, il va comme ça venir prélever 10 dollars. C'est un investissement en DCA. Il va prélever 10 dollars. Voilà. Donc, tu pourras aussi prendre tous les mois, tous les bimois ou tous les jours. Voilà, je confirme cela. Donc, il me dit que ma balance est insuffisante. Il dit ma balance est insuffisante. Comment ma balance est? Ma balance est insuffisante. Comment? Et pourtant, j'ai des fonds au niveau de la balance. Bon, je vais prendre quelques cryptos. Je vais investir. Je vais prendre de Luna pour voir si je peux prendre du Luna. Je vais prendre quoi ici? Je vais prendre quoi? Non, là je vais rentrer. Il y a un souci. Je vais rentrer là. Je vais rentrer. Je vais rentrer là. Je vais prendre ici. Créer avec Bitcoin. Je prends le Bitcoin ici. La crypto-monnaie. Voilà. Voilà. Ici là. Si j'investis, c'est à partir de 1 bit. 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar tous les jours, non, tous les jours, tous les jours. 1 dollar, je vais prendre 1 dollar tous les jours, tous les jeudis. Nous sommes mercredi aujourd'hui là. Donc je veux prendre jeudi parce que on compte pas la journée d'aujourd'hui. Je prends jeudi tous les jours, voilà, tous les jours.
Voilà, tous les jours, il doit me prendre 1 dollar. Il doit prendre 1 dollar. Non, je dois faire plutôt l'inverse. Je dois plutôt mettre l'USDT là-bas. L'USDT. USDT et mettre du Bitcoin ici. Et mettre du Bitcoin là. Et mettre du Bitcoin là. Et mettre du Bitcoin ici. Ce sont des. Bon, ça, c'est un projet russe actuellement. Voilà, c'est un rouvre là. Et je vais cliquer sur Next. Je mets le montant ici. Je clique sur Next. Voilà, je clique sur Next. Ok, c'est fait. C'est parti. Et je clique sur Confirmer. Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez faire un DCA sur. Mais je veux déjà vous montrer les différents DCA que j'ai eu à faire qui sont en cours en ce moment. Les différents DCA qui sont en cours. Voilà les différents projets sur lesquels j'ai investi en DCA. Voilà qui me génère des plus-values tous les jours. Donc je vous ai montré. Donc si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à interagir avec moi en commentaire. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. Et puis c'est tout. Abonne-toi, like et partage cette vidéo à l'échelle internationale afin que nul n'en ignore. Merci, bye bye.